quelques secondes d'attention pour lancer donc ce concours. Nous avons cherché la qualité. Et donc pour situer la qualité, eh bien il était plus aisé et plus normal, plus légitime, allais-je dire, je vais dire, de s'adresser déjà à des personnes qui font un peu de la photographie. Pour une première à la selle, c'est une grande réussite. Je trouve que les photos sont très diverses, sont très réussies, et que je ne pensais pas qu'il y avait autant d'artistes comme ça qui excellaient dans la photographie. ...80 images à regarder, 40 sélectionnées, donc ce fut ardu, âpre dans les discussions pour découvrir telle ou telle photo qui était bien meilleure que d'autres. Le débat était bien intense. Plus de 100 personnes ont voté, une majorité de 12 voix a été donnée à Anaïs Léoka pour la photographie titulée Brignoles. On était d'accord sur le numéro 1, j'allais dire, sur la première photo. Une sensibilité, un regard, une façon de cadrer aussi, bien sûr, il y a un peu de technique, la présentation, le sujet présenté, voilà, que ce soit pas trop simple, j'allais dire, trop conventionnel. On a bien regardé tout ça en détail. Voilà. Le titre est Tournesol de Valensole. Elle a gagné le premier prix donc offert par l'hostellerie de l'abbaye de la Seine d'une valeur de 600 euros. On a pris tous un plaisir immense à participer au concours. C'est pas pour gagner qu'on participe, c'est pour regarder le terroir autrement. Merci à l'organisation pour le thème du concours, vraiment fabuleux. À refaire.